Sur l'amendement numéro 74, Monsieur Paluskevitch. Merci, Monsieur le Président. Cet amendement vous propose l'imprescriptibilité des crimes et délits sexuels sur personnes mineures. Au vu de la gravité des actes commis, de la réelle difficulté existant dans le dépôt de plainte par les victimes contre les crimes ou délits subis et des conséquences psychotraumatiques conduisant à une amnésie dissociative, l'imprescriptibilité de l'action publique des crimes doit substituer le délai de prescription actuel. Il s'agit à mon sens d'une démarche protectrice. Il nous faut protéger nos mineurs, certes, mais surtout marquer fort notre volonté d'inquiéter les auteurs ou les potentiels auteurs de crimes ou de délits sexuels à l'égard d'enfants. Rappelons-le, à l'égard d'enfants. J'entends bien qu'il s'agirait là de réserver au seul crime contre l'humanité cette sacro-sainte imprescriptibilité. Comme si la France, au regard d'une analyse comparée à d'autres législations telles l'Angleterre ou le Pays de Galles, ne puisse être aussi grande, ambitieuse et surprendre la communauté internationale par des actes forts qui auraient de facto le mérite très probable de faire des émules ici et là. Jamais, pour ma part, ne me résoudrai-je à considérer que le temps puisse faire son œuvre pour les uns et pas pour les autres, a fortiori quand il s'agit de victimes d'actes sexuels de surcroît sur mineurs. Léo Ferré chantait « Avec le temps va, tout s'en va ». Pour le bourreau, et l'on se sait blanchi comme un cheval fourbu, et l'on se sent tout seul peut-être, mais peinard. Pour la victime, on se sent glacé dans un lit de hasard, et l'on se sent floué par les années perdues. Alors vraiment, avec le temps, on n'aime plus. Avec le temps, va, tout s'en va, Madame la Ministre. Mais la véritable question est de savoir pour qui. Pourquoi ? Merci beaucoup. Amendement numéro 72, Monsieur Paluskevitch. Merci, Monsieur le Président. C'est pourtant pas compliqué, Monsieur Paluskevitch. À défaut d'obtenir l'imprescriptibilité... On peut faire... je peux y arriver. Je vous écoute. Paluskevitch. Très bien, merci. Merci, Monsieur le Président. À défaut d'obtenir l'imprescriptibilité des crimes et délits sexuels sur personnes mineures, il s'agit là d'un amendement de repli afin d'élargir la prescription de 20 à 40 ans.